Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo d'ouverture de Toozies. Je vais en ouvrir 3 de la saison 1 aujourd'hui. Si vous n'avez pas encore vu la vidéo précédente, je mettrai un lien ici en fiche i et dans la barre de description. Et je vous conseille de les voir avant parce que je vais montrer ma liste qui sera cochée avec les Toozies qu'on a eu dans les précédentes vidéos. Du coup c'est parti, donc toujours pareil hein, les cubes. Je les ai trouvés à King Jouet à 3,99€. C'est dur à trouver maintenant les saisons 1. Ok. Bon. Spoil. Il était pas attaché ou pas dans son truc. C'est bizarre. Donc on a un cube du coquin. Et on a du coup. Normalement je commence toujours par l'animal. Mais là du coup le bébé est sorti tout seul. Il voulait se montrer d'abord. Un hamster violet, je ne sais plus si je l'ai, ça fait un petit moment que je n'ai pas ouvert ceux de la saison 1. Donc oui, c'est elle, c'est Lola, donc ouais, je l'ai déjà, et donc ouais, c'est Lola, c'est la fille, et c'est un classique. On a la poche qui est ouverte. Bizarre. Alors, on va voir quel animal on a eu. On a eu. Ah, lui il est nouveau. Et c'est un ultra rare. Donc, ça c'est bien. Et je suis quasiment sûre qu'il complète un duo parfait. Donc, ça c'est sympa. Alors. C'est ça. Donc ouais, c'est Zebra qui va avec Zéphyr, la fille, c'est des filles. Et c'est un ultra rare. Donc ça, c'est génial. Et ça complète le duo parfait. Donc moi, je suis très contente. Même si les fluos, c'est pas mon truc, hein. Les ultra rares en fluo comme ça, j'aime pas trop. Je préférerais que ce soit, je sais pas, nacré ou un truc comme ça. Peut-être métallique, ou je sais pas, mais fluo, c'est pas mon délire. Un cube duo bruyant. Et l'animal, c'est le raton laveur violet. Et je suis quasiment sûre de l'avoir. En tout cas, j'ai le bébé. Raton laveur violet. Mais alors, ouais. Donc c'est bien ça, oui je les ai tous, les ratons laveurs comme ça. Alors, ça serait bien d'avoir le l'hamster violet du coup, parce que du coup je compléterai carrément la liste. La, je veux dire, pas la liste, mais le la ligne, voilà. Donc du coup là on a eu Gigi, et c'est un classique. La pose est très mignonne. Alors, qui c'est qu'on a? Un petit canard. Je ne sais plus si je l'ai. En tout cas, il est très mignon. Non, je ne l'ai pas. J'ai le garçon, donc en jaune. Et là, du coup, c'est la fille. C'est Daffy. Et c'est un classique. C'est génial, elle est trop chou. Hop. Voilà. Voilà. Et maintenant, le dernier cube.
On a encore un cube de diobruyant. Et on a un pingouin. Je suis quasiment sûre de l'avoir. Petit duo cool. Ouais. Il manque que justement la fille qui va avec lui. Donc c'est Pinglagla et c'est un rare. Je vais faire la mise au point, ça peut marcher. J'ai tapé le téléphone. Et le bébé, je l'ai. L'abeille. Malheureusement, c'est un double, mais en même temps, à force, c'est un peu logique vu la quantité que j'ai de la saison 1. Donc ouais, et il me manque l'animal, justement, le seul en abeille, il me manque l'animal qu'il y a avec elle, justement. Donc c'est Maya. Et c'est un classique. Et vous, ça vous arrange si j'ai des doubles, vu que tout ça, ça va partir dans le giveaway. Même si là, quand vous verrez cette vidéo, forcément, le giveaway sera fini. Je sais pas de... depuis un moment, oui. Oui, c'est ça. Depuis un moment, et je pense que même que j'aurais déjà envoyé les prix. Mais du coup, ça en fera partie, les doubles. Puisque à l'heure où je tourne là, il reste encore 2 jours. Donc mes préférés. Ouais, je pense que c'est les 2 oiseaux. Donc le canard et le pingouin. Dites-moi lesquels vous avez préféré, vous ou pas. Le pingouin essaie de s'enfuir. Toujours aussi fan des Twizzies, je les adore, j'aimerais tous les avoir, ça serait trop bien. J'espère que la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à laisser un commentaire et à liker la vidéo, et si vous voulez être au courant dès la sortie des futures vidéos, abonnez-vous à ma chaîne et suivez-moi sur Twitter, @Tidriac, et on se retrouve mercredi pour une nouvelle vidéo, à mercredi.